Bonjour mes chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va parler de la reproduction chez les végétaux, après avoir terminé bien sûr la reproduction chez les animaux. Alors, on va parler aussi de la reproduction chez les végétaux, puisque les végétaux sont aussi des êtres vivants, donc ils se reproduisent. Ils doivent se reproduire pour coloniser un milieu. Donc, comme on a vu chez les animaux, la reproduction, elle est soit sexuée, soit asexuée. La même chose chez les végétaux, ils peuvent se reproduire soit d'une manière sexuée ou asexuée. Asexuée, c'est l'intervention des deux individus, alors que la reproduction sexuée, elle nécessite la présence de deux individus, un mâle et une femelle. Pour les végétaux, comme les animaux, le mâle, il possède des organes, bien sûr, doit avoir des organes mâles qui produisent des gamètes mâles. Et bien sûr, la femelle, elle doit avoir des organes femelles pour produire des gamètes femelles. Où se trouvent les organes reproducteurs chez les végétaux? Alors, chez les végétaux, les organes reproducteurs se trouvent au niveau de la fleur. Et ici, là où il y a l'appareil reproducteur mâle et femelle de la fleur, où se fait la production des gamètes. Et je vous ai ici schématisé une fleur et avec ses différentes constitutions. C'est la structure d'une fleur. Alors, quand on parle d'une fleur, alors les différentes constituants de la fleur sont les suivants. Donc, nous avons ces feuilles, ces structures qui sont colorées, elles s'appellent les pétales. Les pétales. Et les petites feuilles à la base de la fleur, qui sont colorées toujours en vert, elles sont des sépales. D'accord? Sépales. Nous avons ici une tige qui porte la fleur, elle s'appelle le pédoncule floral. Pédoncule floral. Et bien sûr, ça c'est la tige. Et à la base, il y a une petite feuille qui est à la base de chaque fleur et s'appelle une bractée. À l'intérieur de la fleur, nous avons l'organe reproducteur femelle qui est là et s'appelle composé de trois éléments. Nous avons la partie ici, elle s'appelle le stigmate. Et nous avons un style ici, le style et l'ovaire. Alors le stigmate, style et ovaire, elles forment ce qu'on appelle pistil. Et de l'autre côté, nous avons ici l'appareil reproducteur mâle qui est composé par ce qu'on appelle des étamines. L'étamine, elle est là. Les étamines. Alors en général, dans la fleur, on a deux organes. Il y a les organes protecteurs, et les organes reproducteurs. Alors, pour les organes protecteurs, ils sont composés de sépales, les sépales. Alors, l'ensemble des sépales forme ce qu'on appelle un calice, le calice. L'ensemble des sépales, nous avons ici 1, 2, 3, et bien il y a d'autres qui sont coupés. L'ensemble des sépales, à la base de la fleur, elle forme ce qu'on appelle le calice. D'accord? Et nous avons aussi ces structures qui sont colorées, qu'on a appelées les pétales. C'est aussi un appareil protecteur. Elles s'appellent les pétales. Et bien sûr, l'ensemble des pétales, elles forment ce qu'on appelle la corolle. Donc, le calice et la corolle, elles forment ce qu'on appelle un appareil protecteur. Elles protègent l'appareil ou les organes reproducteurs de la fleur. Et pour les organes reproducteurs, on distingue deux organes reproducteurs. Nous avons les organes reproducteurs, les organes mâles. Les organes reproducteurs mâles et nous avons l'organe reproducteur femelle. L'organe reproducteur mâle, c'est l'ensemble, c'est l'étamine qui est composée par l'ensemble des étamines. Et l'ensemble des étamines, elles forment ce qu'on appelle l'androcée. Et l'appareil reproducteur femelle, elle forme
formait pas, bien sûr, le pistil, ou on l'appelle aussi le gynécée. Le gynécée, c'est l'appareil. Donc, dans la fleur, on trouve deux organes. Les organes protecteurs qui sont les sépales et les pétales. L'ensemble des sépales forme le calice. Et l'ensemble des pétales, elles forment ce qu'on appelle la corolle. Et à l'intérieur de la fleur, on trouve les organes reproducteurs, qui sont les organes reproducteurs mâles, formés par l'ensemble des étamines. Et l'ensemble des étamines forment l'androcée. Donc l'androcée, c'est l'appareil reproducteur mâle. Et l'organe reproducteur femelle, c'est le pistil ou le gynécée. Donc l'ensemble ou l'appareil reproducteur femelle, il s'appelle le gynécée. Alors après, alors on va parler bien sûr des gamètes, la production des gamètes. Donc les organes reproducteurs mâles et femelles, et sont responsables de la production des gamètes. Les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc la production des gamètes. La production des gamètes. Bien sûr, les deux gamètes. On va commencer par les gamètes mâles. Les gamètes mâles. Alors, où sont produites les gamètes mâles qu'on avait chez les animaux? Les gamètes mâles, on les appelle les spermatozoïdes, ils sont produits au niveau des testicules. Bien sûr, les plantes, les gamètes mâles sont produits au niveau des organes mâles qu'on appelle les étamines. Alors, si je schématise ici une étamine, donc il est comme ça. Donc, chaque étamine, elle a cette forme-là. Donc, l'état, ça c'est une étamine. État, structure d'une étamine. Alors, chaque étamine est constituée ou composée d'un filet qui porte une anthère. Là, elle s'appelle anthère. Et chaque anthère, bien sûr, est composée ou constituée de deux loges. Et à l'intérieur de l'anthère, ici, il se produit la formation des gamètes mâles, la formation des grains de pollen. Alors, au niveau de l'anthère, il y a la formation des grains de pollen. Les grains de pollen qui contiennent, bien sûr, les gamètes mâles. Et chaque grain de pollen est formé et constitué de deux membranes, une membrane interne, une membrane externe. Une membrane interne est mince alors que la membrane externe est épaisse, donc elle est très épaisse, la membrane externe. Regardez. Et bien sûr, alors que la membrane externe est perforée, la membrane interne elle n'est pas perforée. Ça, c'est la membrane externe. On appelle l'exine. Alors, nous avons deux membranes. Une membrane externe qui s'appelle exine, et une membrane interne qui s'appelle intine. Et à l'intérieur de ces deux membranes, on trouve deux cellules. Une grande cellule qui s'appelle la cellule végétative, qui possède un noyau, un gros noyau végétatif. Ça, bien sûr, ça c'est le cytoplasme. Et à l'intérieur de la cellule végétative, on trouve une cellule reproductrice qui contient bien sûr qui a une cellule reproductrice qui contient un noyau reproducteur. Donc nous avons ici une cellule reproductrice et nous avons ici une cellule végétative, une grande cellule végétative. Ça, c'est là le schéma d'un grain de pollen. D'accord? Ça, c'est la structure. Donc, je répète. L'appareil reproducteur mâle des fleurs, il s'appelle étamine. L'ensemble, il s'appelle androcée, on l'a écrit ici. Alors, chaque étamine est constituée d'un filet qui porte une anthère qui est constituée de deux loges. Au niveau de l'anthère, il y a la formation des grains de pollen qui portent les gamètes mâles. Et chaque grain de pollen est constitué de deux membranes, une membrane interne appelée intine et une membrane externe très épaisse appelée exine qui est perforée par des pores. On appelle des pores là, ce sont des pores.
des ouvertures. Et à l'intérieur de ces deux membranes, on trouve deux cellules. Une grande cellule végétative et une petite cellule reproductrice. Alors, pour la production des gamètes femelles. Alors, les gamètes femelles, bien sûr, sont produites au niveau du GNC, la production, les gamètes femelles. Les gamètes femelles sont produites. Les gamètes femelles sont produites au niveau du GNC. Le GNC. GNC. Alors, GNC, c'est l'organe où on l'appelle aussi pistil. Hein? C'est le lieu de production des gamètes. Alors, je vais schématiser ici un pistil ou un GNC. Alors, qui est composé de trois éléments. Alors, nous avons ici ça, le schéma d'un pistil. C'est le schéma d'un pistil qui est composé d'un stigmate ici, stigmate, et d'un style et d'un ovaire. Et à l'intérieur de l'ovaire, on trouve des ovules. Alors, supposons que c'est par exemple ici deux ovules, et les ovules sont les organes où sont les gamètes femelles. Donc, nous avons ici les ovules, elles sont là. J'ai schématisé ici quatre ovules à l'intérieur de l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire. Alors, je vais bien sûr faire agrandir l'ovule. Alors, chaque ovule, elle est formée du placenta et des téguments. Alors là, ici, donc les téguments, ici. Voilà. Ici, ça s'appelle le placenta. Il est là, regardez. Ce que je schématisais, c'est là. C'est ce truc-là. Donc nous avons ici le placenta qui relie bien sûr l'ovule à l'axe de l'ovaire, au niveau de l'ovaire. Et nous avons ici ce qu'on appelle les téguments. Ça, c'est téguments. Nous avons ici deux téguments. Il y a deux ici et deux de l'autre côté. Et à l'intérieur, ici, nous avons le nucelle. Le nucelle. Hein? C'est un tissu qui nourrit le sac embryonnaire. Donc, le sac embryonnaire, il se trouve à l'intérieur. Ici, le sac embryonnaire, il est à l'intérieur du nucelle. Nous avons ici le nucelle et nous avons une petite ouverture, on appelle là, c'est à travers laquelle les spermatozoïdes ou les entérozoïdes vont pénétrer dans le sac embryonnaire. Ça s'appelle le micropyle. Micropyle. Le micropyle. Et le sac embryonnaire, il est là. Ça, elle s'appelle le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire est composé de 7 cellules. Donc, nous avons 3 cellules qui s'appellent les cellules antipodales, 3 comme ça. Elles s'appellent des cellules antipodales. Les cellules antipodales. 3 cellules antipodales. Podale. Et de l'autre côté, nous avons la cellule reproductrice qui s'appelle l'oosphère. Bien sûr, c'est la plus importante. C'est l'oosphère. Là, l'oosphère. L'oosphère est entourée par deux cellules qui s'appellent des synergides. Deux cellules qui entourent et qui entoure l'oosphère et s'appelle des synergides. Regarde, deux cellules sont là et s'appellent synergides. Synergides. Des synergies. Et au centre du sac embryonnaire, nous avons une cellule qui est dite la cellule centrale ou les noyaux du sac embryonnaire. Cellule avec deux noyaux. Cellule centrale. Très bien. Ça, c'est le... Et bien sûr, le placenta est relié, le sac embryonnaire relié au placenta par ce qu'on appelle le cordon ombilical.
Ça, c'est le cordon. Le cordon ombilical. Le cordon ombilical. Alors, je répète, le gamète femelle, il se produit au niveau de l'ovaire. L'ovaire qui est une partie de l'appareil reproducteur femelle qui s'appelle le gynécée ou le pistil. Dans l'ovaire, on peut trouver un ovule ou plusieurs ovules. Un exemple d'un ovule, elle est comme ça. Donc, chaque ovule est lié à l'ovaire par le placenta. Et à l'intérieur, on trouve un sac embryonnaire qui est entouré, qui se trouve dans un tissu appelé nucelle. C'est un tissu nourricier et entouré par des tégumens de nucelle. On appelle les tégumens de nucelle. Et chaque sac embryonnaire est composé de 7 cellules qui sont réparties en 3 cellules antipodales, 2 cellules synergides, une cellule oosphère et une cellule centrale, qui est une cellule qu'on appelle les noyaux du sac embryonnaire, qui est constituée de deux noyaux. On l'appelle la cellule centrale. Merci.